On a passé du temps dans l'eau avec Céa. C'est vrai que ça fait maintenant quelques mois que nos femmes elles nous demandent à la maison. On a passé beaucoup de temps sur le foil, on a passé beaucoup de temps à courir. Et on s'est vachement entraîné pendant ces moments-là parce qu'il y a eu des moments de doute. C'est pas tous les jours facile. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le projet il est pas trop grand pour nous? La chance qu'on a avec Arnaud, c'est qu'on est vachement complémentaires sur plein de choses. Lui, de par son parcours professionnel, c'est un ancien pompier, il a l'habitude des entraînements physiques, d'avoir une rigueur au niveau des entraînements que moi, j'ai peut-être un petit peu moins. J'ai tendance pour le coup à me dire, t'inquiète, ça va le faire. Il faut une grande motivation pour monter ce genre de projet. Moi, ils m'ont assez bluffé en fait sur leurs conditions mentales. C'est pareil, c'est impressionnant physiquement ce qu'ils vont faire et je pense que voilà, l'entraînement qu'ils ont eu va porter ses fruits. Pour moi, c'était une chose évidente. Quand il m'a demandé, il m'a dit « Papa, voilà, on a un projet, qu'est-ce que tu en penses ?» Moi, tout de suite, j'ai dit « Bah oui, écoute, c'est votre truc. Ouais, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Aujourd'hui, faut faire ce qu'on aime, il faut aller au bout des choses. Vous avez la passion, il faut y aller. Et moi, je vous suis à fond, à 100%. » Ils ont eu ce projet vraiment à cœur et ils ont tout donné jusqu'au bout. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire une traversée de dingue et qu'ils vont prendre leurs pieds. Et là, on est persuadé que ça va réussir. Ça ne va pas être facile parce que les conditions météo, on ne les maîtrise pas. Et surtout, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On va vers l'inconnu.